vous êtes... Non, mais c'est surtout vous qui m'a... Vous allez me faire pleurer, là? Non, non, pas de souci. Ben... Bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, je suis avec mon petit frère. Il est un peu malade. Il a une... Bah en fait, c'est caché qu'il doit prendre. Vous savez, il a un traitement au niveau du ventre et ça lui permet de mieux respirer. Et en gros, là, il n'a pas pris ses traitements. Je voulais juste savoir si vous avez un peu d'argent à dépanner, quelques centimes ou juste une bouteille d'eau, juste pour qu'on puisse acheter au moins déjà, de l'eau. La bouteille d'eau, tu peux en prendre deux ou trois si tu veux, ouais. Quelques centimes. Si vous avez 2 euros ou un truc comme ça. 2 euros, je sais pas. Les bouteilles d'eau, je peux en prendre? Oui, oui. C'est sûr? Mais bien sûr, même 2 ou 3. Ah ouais, si sûr? Vous voulez, mais bien sûr. Tiens, prends tes médocs, attends, tiens. Tu dois en prendre combien? 2? 1? Voilà, tiens, mets-le. Et genre, si vous avez juste 2, 3 euros ou quelque chose comme ça dans votre. Ça peut être possible. Ouais, on croise les doigts. On peut la garder, la bouteille? Oui, gardez-la, prenez-en même une autre si vous voulez. Ça vous dérange pas, sûr? Mais non. Si je vous le dis, prenez-la. C'est pas. Ouais, il y a pas loin de 2 euros là. Ah, franchement, c'est énorme. 1 euro. De la monnaie, tiens. Ah, ouais, c'est génial. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 70. Voilà, si j'ai encore de la avec ça, je pense qu'on peut acheter des bouteilles d'eau là avec ça, non? Ben, bien sûr, mais tu peux acheter un pack d'eau même. Ça coûte combien le pack? Le pack, 1 euro 20, ouais. 1 euro 30, un truc comme ça. Tu veux qu'on prenne un pack? Je te donne quelques centimes de plus. Tu veux quoi d'autre? Rien parce qu'on n'a pas assez. Ben, vous voulez prendre un sandwich? Tu veux un biscuit? Tiens. Ben, vous voulez des mi-cadeaux ou un... Non, c'est pour vous. C'est pour vous qui? C'est pour non, vous. Non, mais c'est pas grave. Ah ouais, sûr? Oui, vous inquiétez pas. Tiens, bonhomme. Tiens. C'est sûr et certain? Tiens, prends les pitchs avec. Voilà, c'est bon. Merci. Mais on va faire des crêpes au Nutella à la maison. Ouais. C'était pour mes fils, mais il n'y a pas. Ah non, non. Non, madame, là, c'est trop là. Là, c'est trop. Tenez. Non, on voulait juste. Non, mais si, mais c'est pas grave. Oh là, c'est juste 2 bricoles. Bah, tenez. Et je vais quand même vous rendre votre argent parce qu'en fait, tenez, c'est une expérience sociale. En gros, il n'est pas du tout malade, il est en bonne santé et là, vous gagnez 100 euros cash. Et c'est filmé depuis tout à l'heure. Et en fait, l'objectif, c'est de demander aux personnes qui ont les moyens. Non, la caméra, elle est juste là-bas au fond. Et en fait, vous avez gagné 100 euros. Et l'objectif, c'est... C'est trop 100 euros. Non, ben c'est... Ce qui est trop, c'est ce que vous avez fait pour nous. On vous a demandé une bouteille d'eau, vous m'avez demandé d'en prendre 3. Vous avez rajouté des pitchs, vous avez rajouté des mi-cadeaux. Et donc, tenez, je vous les mets dans votre sac. Vous avez vraiment une très bonne réaction. Maintenant. Vous avez vraiment un bon cœur. C'est rare de voir des personnes comme vous... Franchement... Si je veux faire quelque chose pour vous, ben... Nous, Dieu merci, on est en bonne santé. Il est en bonne santé, il n'est pas handicapé, mais on joue sur ça. On joue sur une situation un peu fake pour faire réagir les gens et justement montrer qu'il y a des gens qui ont un grand cœur. Et vous appelez comment? Sabrina. Ben, enchanté Farid et Dylan. Et vous faites quoi vous dans la vie, Sabrina? Ben, là-bas, je suis conseiller funéraire, mais je suis sans emploi pour le moment. Sans emploi? Oui. Et vous m'avez quand même donné... C'est rien, il fait chaud. Il faut quand même, si on donne... Juste avant, on a fait une scène avec une Mustang, une voiture qui est quand même relativement chère. On a demandé une petite bouteille d'eau et le mec, en rigolant, il nous a dit non, moi je bois que du vin. J'ai mon petit frère qui est malade, j'ai plus de sous sur moi. Je voulais savoir si vous avez un petit peu de monnaie à dépanner ou quelque chose à boire ou une bouteille d'eau ou quoi. J'ai jamais de monnaie sur moi. Vous avez pas de monnaie? Non. Et là, je vous ai vu sortir des courses, vous avez de l'eau ou quoi que ce soit, non, une petite bouteille d'eau pour qu'il prenne son médicament? Non, il y a que du vin. Que du vin? Ouais. Pas de... Non. Oh là là. Je tourne corrodé. Bon, ben c'est pas grave, merci quand même, monsieur. Ça va aller? Ces gens-là, quand ils se regardent dans le miroir, ils trouvent même pas leur visage. C'est vrai. Et vous gagnez, si c'est pas indiscret, combien par mois pour subvenir à vos besoins? 800 euros à peu près. Ouais, surtout avec la vie qu'on a aujourd'hui. Vous avez des fils aussi? Deux fils, donc quoi? Qui est indépendant et qui fait de l'aide à la personne. Ouais. Et un qui est à ma charge encore. C'est pas trop compliqué avec lui? Ben, un petit peu parce qu'il est adolescent, mais ça va aller. Il a quel âge? Bientôt 17 ans. Et le papa n'est pas... Il est décédé. Ah, le papa est décédé? Oui. Bon, mais toutes mes condoléances. Il était tout petit en plus. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Vous avez besoin d'autre chose? Non, déjà, vous êtes... Non, mais c'est surtout presque, vous qui m'a... Vous allez me faire pleurer, là? Non, pas de souci. Ben, en tout cas...